Taïban Yassen est située à environ 240 km au sud de la capitale Dakar. Dans cette région, une organisation locale qui regroupe 2000 agriculteurs transforme les arachides. Sur ce site, 30 unités semi-industrielles fonctionnent au maximum de leur capacité pour la transformation complète de ce produit. J'ai cultivé 3 variétés d'arachides cette année sur une superficie de 20 hectares. J'ai eu un bon rendement car j'ai pu récolter 180 tonnes d'arachides. Avant, tout le travail était fait à la main. C'était très dur pour nous. Maintenant, avec l'aide de machines, nous faisons le décorticage, le tri et l'ensachage plus efficacement. Il y a 40 personnes qui travaillent dans chaque unité. Chaque jour, elles gagnent entre 10 et 14 dollars américains. Selon le ministère sénégalais de l'Agriculture, la récolte est abondante grâce à de bonnes précipitations et à une meilleure préparation que les années précédentes. Une production record d'environ 1 800 000 tonnes d'arachides est attendue contre 1 400 000 tonnes l'an dernier. Le gouvernement a également décidé de fixer le prix minimum à la production à environ 5 dollars le kilo. Habib Thiam est le président du collectif des producteurs et exportateurs d'arachides. À son avis, il est important d'aider les agriculteurs à mieux s'organiser. Nous les aidons, nous leur fournissons des semences de bonne qualité et aussi de bons engrais. Nous leur proposons également un différentiel de prix. Ils ne nous rendent d'abord que ce que nous avons investi. Par exemple, si nous donnons environ 10 dollars américains à chaque producteur, ils nous rembourseront sans intérêt. Cela les incitera à nous vendre une partie de leur production. Et nous les organisons aussi pour conserver une partie de leurs semences pour augmenter les surfaces cultivées année après année. Au point de collecte, Habib Thiam parvient à rassembler environ 600 tonnes d'arachides chaque jour. Cela lui permet d'avoir un stock considérable. Grâce à la signature d'un accord entre la Chine et le Sénégal, la plupart de ces arachides seront exportés vers le marché chinois. Nous avons la chance d'accéder au marché chinois depuis 2014. Je pense que les producteurs n'ont jamais eu de problème depuis, parce que le marché chinois nous offre des prix attractifs par rapport au marché local. Selon Habib, cela a permis aux producteurs sénégalais d'améliorer leur niveau de vie.